que ta tante est puis. Non, 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 non. Il n'y a pas à faire de la perpétuité, il y a perpétuosité. Viens, viens, viens. Je suis fatiguée, il fait chaud. Oh. Waouh. Le pain croustillant de toi. Papa, c'est bon. Waouh! Wesh, ma gueule, bien ou quoi? Tranquille, ouais, tout est carré, t'es posé dans le bendo, t'es fraîche! Bonsoir, Coco. C'est moi. C'est moi ici, ton Coco. Quand tu as régalé dans ton jardin le matin avant de sortir là, il ressemble à Coco que tu as planté là-bas là. Tu reconnais plus ton Coco? Regardez-moi celui-là. Dans les jolis, jolis fruits qui existent là, c'est Coco que tu as vu pour pouvoir m'appeler. Les cerises, les raisins, tout ça là. Écoute, tu sais, moi, je suis un Don Juan. Et là, rassure-moi, on ne s'est pas déjà vu quelque part parce que ton visage me dit quelque chose. Il faut bien me regarder. Mon visage te dit quelque chose. Je ne sais pas trop quoi. Donc mon visage te dit quelque chose. Oh, effectivement. C'est ça. Aujourd'hui, là, tu es là. Vous à qui notre visage fait toujours commission. Notre visage vous parle tout le temps là. Voilà, aujourd'hui là, il faut m'expliquer mon visage t'a dit quoi et puis mon visage t'a parlé dans quelle langue. Voilà. C'est quoi? Les techniques de drague archaïque, de la pierre taillée, de la préhistoire, de l'air de Soumangourou Kanté, de Sunjata Keïta, il y a quoi? Non, mais t'es vénère, tu te calmes un peu s'il te plaît. Non, tu dis mon visage, je te dis quelque chose, non? Voilà, donc laisse-moi te dire quelque chose aussi, voilà. Dis-moi. Donc là, votre drague, votre technique de drague, votre amour là, ça donne la paresse, ça donne beaucoup la paresse. Changez un peu de technique, voilà. Nous je suis là, je viens de piler un foutu récalcitrant, un foutu rebelle. Donc je suis fatiguée. Un foutu? J'ai chaud. Mon corps me fait mal comme ça. Attends, mais t'es sérieuse là? Non mais attends, mais c'est une dinguerie, j'y crois pas. Mais toi, tu ressembles pas à une pileuse de foutu. Regarde, t'es fraîche, la tête jusqu'aux pieds, t'es sophistiquée. Mate un peu les paumes. Non, raconte-moi autre chose, mais j'y crois pas. La vie de ma mère, j'y crois pas. Tu as quitté où? T'as pilé de foutu tout ça. Donc je ressemble à quelqu'un qui pile foutu? Ah non, pas du tout. Donc pour vous, femme qui pile foutu, elle doit ressembler à John Cena. Elle doit sentir sueur. Elle doit sentir à John Von Pourri. C'est ça. C'est pas ce que j'ai dit. Et puis elle doit avoir des gombos dans la tête en guise de bigoudi. C'est ça? C'est pas ça. Mais tu vois, t'es fraîche, tout ça. En fait, bref, je t'explique ce qui s'est passé. Tu vois, j'étais dans le coin là. Je marchais tranquillement, pépère dans mon coin. Et puis j'étais vu. J'ai commencé à te zuiter. J'ai rien compris. J'ai dit ça, il faut que je vienne lui parler. Et du coup, j'ai commencé à sentir une chaleur. Mais je te dis, une chaleur a commencé à monter en moi. Tu sais, mais qu'est-ce qui se passe en moi à la fin, quoi? Ah, tu as senti une chaleur qui est montée en toi? Ouais. Tu sais que Belé, on appelle ça brûle en moi, non? Donc le Belé en train d'être exaucé. C'est en train de brûler en moi. Ah non, c'est pas Belé. Moi, je bois pas le Belé. Tu sais, moi, je suis quelque chose. C'est le méchant. Tu vois, donc moi je viens vers toi, je sais de causer avec toi. Tu vois, ça c'est pas le belé, c'est l'amour. T'as capté ou quoi? C'est l'amour avec un grand H. Tu vois, amour comme ma maison. Attends, je viens là. Tu suis qui? Attends, j'ai pas fini de te parler. Là, tandis que je suis en train de te parler, tu vois, c'est comme dans les clips américains, tout de suite, j'ai envie de déclamer des rimes, bang, 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 un peu partout. Toi et moi, c'est l'amour folle. L'amour, Kenzo? L'amour. Bref, ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, j'ai un poème pour te déclarer toute ma flamme. Bref, tu vois, sans toi, ma vie est bizarre. On dirait un Libanais. Attends. Allô, Perpétue. Ce qui est en train de se passer ici, là, c'est toi. Hein? C'est toi qui m'as mis dedans. Viens, tu vas m'enlever. Je t'attends depuis là, à la même place. Ok. Action. En fait, sans toi, ma vie est bizarre comme un Libanais qui vend pas que fou. T'as capté ou pas? Non, ne bouge pas parce que j'ai des paroles à te déclarer. Tu vois, je t'aime comme Ado aime les ponts, comme Blé Goudé aime les proverbes, comme Bété aime veste. Est-ce que t'as capté ou pas? Non, mais commence à dire déjà aux gens qui n'ont qu'à commencer à laver les habits parce que je vais t'offrir le soleil. Commence à leur dire, n'ont qu'à trouver des maisons où habiter sur Saturne, sur Jupiter. Qu'est-ce que je sais? Je vais t'offrir la terre entière. Je suis prêt à me battre contre Francis Ngannou.
Je suis prêt même à lâcher, même quand j'ai la diarrhée. En fait, écoute, écoute Coco, tu es le plus beau spectacle que j'ai envie de regarder toute ma vie. Et s'il y a des intrus qui viennent s'installer devant, on va jeter les corps dehors à vie. Isaac, bang! Méchant, méchant! Alors qu'est-ce que t'en dis? Et ça, ce n'est que le début. Hein. J'ai des vannes, j'ai des paroles, je suis poétique. Roméo de Kumasi, j'ai besoin de 5 000. C'est ce que j'attends même. Ma copine doit venir me donner 5 000. Ah. Tu veux... C'est mis à beaucoup d'air. Hein? Le choquant a voyagé. Tu veux ça quand? Comment ça, il veut ça quand? En quelle année? Comment ça, en quelle année? Je veux ça en année qu'on est dedans. Mais non, mais ça, c'est une fortune, hein? 5 000, hein? Ah, c'est ça. Aïe, attends, Roméo, tu n'es plus prêt à me donner la terre, les c'est... étoiles, la lune, le soleil, les mers, les pères. Si, si. En fait, je ne sais pas si je t'ai dit, hein? Mon grand frère en France. Hein? Ton grand frère a quoi à voir dedans? Ton... Hein? Et puis ma grand-sœur là, ma grand-sœur n'était pas dit, elle allait à l'école à Salfo. Je ne sais pas si ça compte. C'est 5 000 là qui te donne palpitation comme ça là. Non, c'est pas. C'est carré quoi. Je dis, je veux 5 000. Ah, bon? Oui. Ouais. C'est 5 000 là qui attendent de te blesser. En fait, je t'explique, il y a un petit jeton. Tu vois, non? Il fait un mouvement, il y a un jeton qui doit descendre. Si ça descend. C'est en l'air, ça a tombé. Un bon jeton parachutiste qui tombe jamais là. Aujourd'hui là, je vais attendre l'atterrissage de jeton là. Et tu es la reine de mon royaume, dans le royaume de mes... Je sais pas, dès qu'on demande 5 000 francs, le royaume s'effondre, le roi court, il fuit. Bon, oui. Monsieur, en fait, moi, c'est aujourd'hui tu me vois comme ça. Sinon, il sait où il m'en va dans la vie là. Moi que tu vois, il y a de l'avenir. Et puis, il sait que j'ai arrivé loin. Je sais que toi, tu sais où tu vas. Un vieux comme toi, avec ses poils du André, pour j'en fais là. Tu ne peux que savoir où tu vas. Mais oui. Tu sais où tu vas? Ouais. D'accord. Où tu t'en vas là? Si tu arrives là-bas, il faut m'appeler. Mais en attendant, je vais démissionner de mon travail pour me consacrer à attendre l'appel là. L'appel qui va changer ma vie là. Tu vas changer ma vie, non? Il a changé ta vie. D'accord. Je m'en vais. Où je sais qu'il m'en va là? C'est la même manière comme ça. Hé! Eli, tu as tué! Tiens. C'est un gars, la mère, c'est pas. La mère. Eli, c'est chaud, hein? Eli, il y a toile d'araignée dans ma bouche. T'es malhonnête à manger. Grave, mon gars. Roméo, pardon, j'attends un rendez-vous. Faut partir. Ouais, je suis pas, hein? Oui! Méchant! Je suis pas, hein? Peace and love. Les gens se promènent, il y a le problème là. Quand toi, tu vois là, tu sais pas ce qui est pour toi, ce qui n'est pas pour toi. Perpétue, c'est la dernière fois que je t'appelle. Hein.